Une langue de terre pour seul refuge. 3000 Rohingyas sont arrivés jeudi à la frontière du Bangladesh après des jours de marche, souvent sans eau ni nourriture. Il serait aujourd'hui environ 8000 pris au piège sur les rives du fleuve Naf. Ils attendent le feu vert des autorités de Dhaka pour rejoindre des camps de fortune. Nous sommes allés à leur rencontre. Je suis sur la route depuis 22 jours. Pendant ce temps, mon père est mort. J'ai attendu à la frontière pendant 3 jours. Les organisations humanitaires sont habituées à ces arrivées massives. Leurs équipes sur place sont rapidement mobilisées pour amener de l'eau et des vivres. Christos Stylianides, le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire, s'est rendu dans un des camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Nous devons persuader le gouvernement birman qu'il ne s'agit que de droits de l'homme, de droits fondamentaux pour toute personne, pour tout être humain. Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'ONU, Guterres, que peut-être la seule description de cette situation, c'est le nettoyage ethnique. Les autorités birmanes rejettent les accusations d'épuration ethnique et assurent ne vouloir qu'éradiquer la rébellion musulmane. Retrouvez l'intégralité de ce reportage lundi dans Inside.